Et salut tout le monde. Enfin tout le monde, pour l'instant il n'y a personne sur Twitch. Donc salut YouTube. On est là, on va partir, on va continuer le let's play. Je vérifie que tout fonctionne bien, tant que là c'est bon. On entend les sons, parfait. Allez. Le temps de chargement est assez long quand même. Hein. On est le 1er janvier, meilleur vœu. Alors, où en étions-nous? Non, c'est pas ça. La carte, c'est ici. Ah oui, il y avait les scènes là d'amitié. J'ai repensé qu'ici aussi, c'est vrai, on avait capté un espèce d'oiseau là, assez balèze la nuit, un boss. J'ai une quête aussi ici qui me demande d'aller tuer un des autres mobs là. Donc il y a de quoi faire. Je connaissais pas elle. Hop, hop, viens là, viens ici, viens ici, viens ici. Oui, toi aussi, elle parmi les étoiles qui scintillent le soir. Hein. Il veille sur moi la nuit. Si tu le lis, je regarde par la fenêtre pour le voir. Ok. Un échange. Un haut colonial, ok. Pomme Val, j'en ai 4. Antenne brisée, j'en ai plein. Ok. Ce tête-à-tête n'est pas encore les conditions requises ou affichées dans la liste de tête-à-tête lorsque vous aurez progressé dans l'histoire. Ah, ok. Ils apparaissent, mais on ne peut pas encore les faire. D'accord. Ça marche. Montre cassée, faut que j'aille là-bas. Dans le laboratoire, ok. Et ici, faut rentrer dans la mine. Et la mine, c'est pas pour tout de suite. Ok. J'ai bien envie d'aller retester tout de suite le mob. Tac, tac. Il y en avait un ici quelque part. Et l'autre ici. Le chemin le plus court, je pense que ça va être ici. Ouais. Non, Hortensia Hob, ça me dit rien ça. Objet, encyclopédie. Ah non. Il me manque un légume encore. Il me manque un légume. Puis ici, je sais pas du tout pourquoi ça apparaît dans autre. Aucune idée.
Alors c'est certainement celui que je suis passé voir juste avant. C'est ça, c'est ce qui me semblait, c'est un boss. On va s'occuper des petits déjà. Oula, j'ai tapé tellement trop tôt. Tac, on va se taper lui aussi, ce sera fait. Ouais, non, mais tu peux pas le taper lui, là, plutôt ? Lui, je vais profiter pour faire mes coups sur le côté. Je vais lui balancer un soin. Mais non, trompé d'attaque. Ah oui, ça c'est quand elle a fait un critique que je peux lui filer un coup de main. Moi j'étais du bon côté là pourtant. T'as la tanké mieux que moi en fait. La première fois où je suis venu. Donc lui, c'est fait. On l'aura tué une fois. Carapace de pierre. Coiffe. Deux emplacements, ouais. Crème de natation. Un peu de pierre. Tout prendre. Hop. C'est pas spécial, lui. Ah si, niveau 10. Ah mais je crois qu'ils vont tous être liés ensemble. On peut essayer. Mais non, c'est le B qui fait l'appuyer. J'ai fait de la merde. Et elle est partie attaquer ceux là-bas. Ok, super. Mettre dedans hein. Puissance def, pulsion def, agilité. Ok, on prend. D'accord, c'est moi qui ai l'aggro en fait. Ça c'est elle qui a l'aggro, je veux dire, c'est pas moi. J'en réussis aucun des B en fait. J'en réussis aucun. Je peux pas la relever ou non, non. Ok, d'accord. On a carrément pas le level. Hop, il y avait le coffre là. Ok. Ok, ok. C'était peut-être un petit peu beaucoup. En soit, on va aller voir sur le poste d'artillerie si on peut se faire le mob, et sinon on ira
On va continuer les quêtes, la suite des quêtes. Et on repartira au labo et tout ça, tout ça. T'es là en haut quelque part. Le truc auto s'arrête dès que... J'espère que le son ça va, que c'est pas trop fort, soit pour l'un, soit pour l'autre. Alors du coup, c'était ici. Il était là. C'est un gros piaf, mais je sais plus quel level il était. On va passer un petit peu l'heure. Touk. Non. Ah bah 18, ok, parfait, super. Ok. Touk. Allez. Ah, il y a une quête qui pop la nuit. Ton truc il est pas réparé d'ailleurs, toi. Ah, je vois que t'as enfin pigé la puissance des gemmes. J'imagine que tu veux essayer d'en créer une toi-même. Bah, ça tombe mal, pour l'instant, ok. Le truc de l'éther marche plus. Comment je faisais pour monter l'autre côté? Perdu sa quinzaine, lui. Je voudrais construire des pièges à insectes, mais je n'arrive pas à mettre la main sur le matériau. Ça vous dirait pas de me dépanner? Tu veux quoi? Plaque flacon, il en faut qu'un. Bah vas-y, je l'ai déjà. Hop. Pareil. Ce sale insecte est vraiment insupportable. Mais non, je parle pas de vous. Manquerait plus que ça. Ok, donc ça, c'est quoi ça là-bas? Ok. Ça, c'est bon. Là, il y a l'air d'encore avoir deux quêtes. Vous avez déjà croisé Magdalena l'Aquatil? Elle apparaît de nuit dans le bassin sous le parc de la colline. Il faut que quelqu'un nous en débarrasse. Près du parc de... Je vais mettre en suivi. Il
20h, on a le temps. J'ai le temps d'aller faire le tour et puis on se fera un petit TP là-bas vite fait pour essayer de la taper. On a aperçu des fourmis s'épiner au bord du quartier marchand. Faudrait bien nous en débarrasser. Bon, c'est pas mal de quêtes de vaches quand même. Hein. Encore des quêtes? Ah bah il va quand même demander de tuer la moitié de la faune et de la flore en fait. On a mini batras sur la plage, il pue. On tue quelqu'un pour nous. En ce moment, ok. Voilà. Bon, en même temps, ça fait monter la répugne dans la ville. Ok, on est bon? D'accord. Alors, on va les TP ici. Pour tester de se faire la grosse. Ouais, mais il va falloir la pouler hors de l'eau. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ah oui, il m'avait aggro lui déjà. Qui c'est qui a l'aggro? C'est moi. La petite flèche jaune, elle me le dit. Pourquoi ils ont des points d'exclamation là? Je ne sais pas. Ils remettent ça, d'accord, ok. Ah bah elle est là, Magdalena, ok. 610, hop. Je peux pas l'avoir de côté. Voilà. Il y a peut-être une assistance. Mais non, pas sur moi. Il a pas tenu compte du fait que je lui ai demandé de... Ah voilà. C'est sérieux, à niveau 6, j'ai même pas réussi à me le faire. Et si je passe mon temps à hébéter, machin, tout ça, c'est compliqué. Voilà, on peut... Comment on fait pour plus être hébété? Ok, super. Un peu le foutoir. Du coup, pantalon de la cour. C'est un antipoison moyen, ok. Pilar Mion. Défaiteur. 85% d'AJ. Ça va pas être mal pour elle qui a l'air d'être un petit peu une, comme qui dirait une voleuse ou un truc du genre. Ça c'est aussi les autres, ça c'est les autres que je dois tuer. Hop. Ah
Effet de soutien, force. Ouais, pendant le combat, il s'est passé un truc. Parce que je crois que j'ai eu une affinité ou un truc du genre avec elle. Quand elle a dû faire un critique, j'ai dû appuyer sur le bouton au bon moment. L'équipement. Ça. Short en cuir. Plus 1 moins 7 d'éther, plus 1 de poids, anti-poison 3, ouais. Et là, celui qu'elle a. Très. Ah, il est mieux. Il est mieux. Ça, c'était son stuff de base. Ok, donc, bon, pas besoin. Il y a moins de critiques, mais toutes les autres stats sont mieux. Je lui mettrais peut-être bien la J, non ? Agilité plus 10. J'avais d'autres choses. C'est bizarre. Ouais, voilà, ces cristaux, je sais pas à quoi ça sert en fait. Peut-être pour faire des gemmes après, je sais pas. On verra. On verra. Du coup, ça c'est fait au niveau des quêtes. Tac, tac. Bien gros lui, non? Ah non, je pensais qu'il était gros, mais en fait non, il était juste prêt. Ça c'est good. Ah, ensuite c'est l'autre côté. Dame Ned. Essayer de port aggro. Ils sont costauds, là.
Merde, tu peux plus le... Tu peux plus aller derrière. Un cristal de vernis, carapace de fer. Bon, je vais pas aller voir sur le net à quoi servent les cristaux. Je pense que j'aurai un tuto qui me dira dans le... Ah, un kiwi noir. C'est pas ça qui me manquait. Les gemmes. Dans les gemmes, dans les... objets de collection, cyclopédie... Ah bah non. J'ai déjà eu. Ah, il y a toujours mon coffre de tout à l'heure. Non, encore loupé. Allez, on essaye de prendre la grosse sur les deux. Oh les yeux. Ah oui, parce qu'il manque. Oui, je devais en tuer trois et il n'en avait plus qu'un à tuer. Ok, bah du coup, je crois que c'est bon. Je vais aller voir le... Comment ? Le truc d'affinité, là, entre les persos, juste là, voir entre qui et qui c'est, si ça me le note ou pas. Celui-là je l'ai vu, celui-là je l'ai vu. Là en haut c'est là où j'irai après. Ok. Non. Avançons un petit peu donc du coup. Tiens, est-ce que j'ai une espèce de barre de répute? Ouais, sur la colonie, j'ai pas d'infos. Groupe. Ah oui, ça c'est le mien, d'accord. Voir, cacher interface, parcourir, zoom. Ah, je sais que deux sympas. Frustration. Le petit capitaine. Entrée de la forteresse, ouais. Ah oui, c'est le soldat, lui. Et Miller qui veut toujours se barrer. Soldat tir au flanc, exact. Ah d'accord. D'accord. Et j'ai pas d'autres infos si je clique dessus de mon niveau. Non. Bon. Pep, pep. Bon, nous l'excuserons, hein, c'est le tank. Il a blessé la nana, oula.
もないのか、フィオル。ああ、大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって、私の体を見させてくれないの？別にどこも切れてないだろ。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ライン、ひどいよ。すまん。頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体、まだ痺れてる？モナドをしまい込んである理由、わかったろ？なあ、骨に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。気にしても、モナドを人は切れないって。その円の中に書いてある模様、いや、文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが文字なあ。この文字を増やす方法を見つけたら、きっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。Personnage principal serait l'élu, ce serait un truc de ouf. Ah bah ouais, il y a la tank, ouais. Allez, vas-y. Thank you.
Allez, l'achetez pas, c'est une grosse DPS. Non, on a perdu le DPS. Modifier la formation de combat. Bah, réserve, y'a rien. Autre personnage, y'a rien. Donc voilà. Menu principal. Alors, toi, j'ai 12 millions de lances. J'en ai récupéré plein. Vas-y, il ressemble à quoi? Ouais. Donc celui-là, c'est celui qu'il y a. Ok. Puis un million. Un peu les mêmes. Warrior, lumière, Rhinos, Black. Ok, niveau stat, est-ce que plus cher est le plus fort? Plus 20, plus 70, def, def. Pour moi, pas beaucoup de def. Garde, ça me paraît bien. À mon avis, il faut qu'il y ait quand même pas mal de stats de garde ou ce genre de choses, puisque vu que ce sera le tank, plus 5. Oh, ça a l'air pas mal ça. Un petit peu de bonus de partout, coup critique, on s'en fout un peu. Ah, puis la lumière, il est pas mal, hein. Ah oui, mais il est bien, mais il n'y a pas de... Ah oui, c'est un blanc. Alors que les bleus, on peut mettre des emplacements, et les violets, il y en a déjà un dessus. Il y a hostilité 10%. Ah oui! Ça, la vie, on s'en fout. Ah, j'avoue. Lui, il y a de l'hostilité directe. Non, mais je m'en fous, moi j'ai un truc pour perdre l'aggro. Non, on va lui laisser celui-là. On va lui laisser celui-là. On va aller lui acheter une armure lourde. Sélectionnez art dans le menu principal, consultez la dernière amélioration d'art suite pour obtenir une explication détaillée. Sélectionnez compétences dans le menu principal, consultez la dernière compétences suite. Ok. Amélioration d'art. Améliorer les arts. Sélectionnez améliorer avec. Ouais. Utilisez pour sélectionner un art et appuyez sur A pour l'améliorer. Vous aurez besoin de PA, point d'art pour augmenter le niveau de vos arts. En battant des ennemis, les statistiques en hausse grâce à l'amélioration sont affichées en bleu. Ouais. Sélectionner paramétrer pour changer l'emplacement d'un arbre. Appuyez d'abord sur A pour. Ouais, ok. D'accord. Ah, sélectionner traits de caractère pour les compétences personnelles. Lorsque vous sélectionnez un trait de caractère, bonus de statistiques correspondant. Altruiste, il augmente l'éther. Ok. Loyal, c'est le taux de garde. Intuitif, l'agilité. Vous pouvez changer de trait de caractère principal autant de fois que vous le voulez. Ok. Les compétences correspondant aux traits de caractère sélectionnés sont assimilées en suivant la liste de haut en bas au fur et à mesure que vous obtenez des PC. D'accord. Quand l'icône est remplie, les compétences sont assimilées. Vous obtenez des PC en battant les ennemis. Étudiez les icônes pour choisir judicieusement les compétences assimilées. La couleur de l'icône indique à quel moment la compétence active. Compétence active en permanence, compétence active lorsque le personnage fait partie de la formation de combat.
Le type d'icône utilisée indique à qui est rattaché à icône perso. Le membre est où il y a aussi des compétences. Trio concerne le membre d'une formation de combat. Le groupe entier. D'accord, donc tu peux avoir un groupe et seulement avoir le trio qui va combattre. D'accord. Soit qu'il y a une compétence active qui est permanente et l'autre seulement ici si elle fait partie du combat. Les compétences en bas de l'axe nécessitent plus de PC que celles qui se trouvent en haut. La manière la plus rapide d'augmenter le nombre de compétences est de changer de trait de caractère une fois que la compétence est assimilée. Une compétence demeure active même lorsqu'elle... Même lorsque vous changez de trait de caractère. D'accord, ok. Ok. Encore trompé. Compétence. Permanent, permet d'équiper des armures moyennes. Ah ok, ouais. En formation, restaure plus de PV lorsqu'un allié est réanimé. Passif, extra récup PV, valeur de 10%. Peut-être qu'on récupère des PV, on n'a pas plus de détails, non? Bonus d'XP de... L'expérience gagnée pour les quêtes, passive, bonus d'XP de 10 valeurs. Les défenses physiques et déter augmentent. En formation, plus de dégâts infligés lors des enchaînements. Ok. Accro à la tension créée par un lien d'engagement réussi. Agilité augmentée à l'engagement contre un ennemi plus fort. Ok. On réduit le poids, ok, permanent frénésie. Plus fréquente lors de la création de gemmes. Et ça c'est pour tout le monde, d'accord. Renforce les arts à effet bonus est emporté dans le lot. Dégâts à ta carrière augmenté. Donc ça c'est que pour soi. Ça c'est pour tous les membres du groupe. Et ça c'est seulement pour les gens qui sont en formation. Ah, ça peut être pas mal aussi le bonus de soins. Encourager. Rend des PV à la formation à la fin d'un enchaînement. Moi, ça a l'air fort cette partie altruiste là. Recherche plus la jauge de formation après un lien spontané. Accroît les chances d'obtenir un maillon bonus. Ça, je sais pas ce que c'est. On va partir là-dessus. Et lui, c'est quoi là? Ah oui, ça renforce la force. D'accord, j'ai pas vu. Ça, ça augmente les terres, ça augmente le taux de garde et ça augmente l'agilité. Ok. Fougueux. Augmente les taux de coups critiques, augmente la force physique, augmente l'agilité. Je suis pas. Pas si. Hein. Permet d'équiper les armures moyennes. En formation, l'engagement. Plus fort, ok. Pas de diminution de tension après évanouissement. La tension, je crois que c'est l'aggro. Subir les dégâts augmente la tension, ok. Quand les PV sont à la moitié de la force physique augmente. D'accord. Augmente le nombre maximum de PV. Ça c'est pas mal du tout. Après engagement contre un ennemi plus fort, ça augmente la J. Ça c'est la puissance d'attaque augmentée. Encore plus le nombre de PV. Ça c'est pratique pour le tank, fougueux. On a dit quoi fougueux? Taux de coup critique. D'équiper des armures lourdes. Ah! La provocation furieuse attire plus l'hostilité. Rend des PV à un allié encouragé. Force augmentée pour un allié plus fort. La provocation furieuse attire plus, encore plus d'hostilité. Comme j'ai envie de lui mettre en armure lourde, je vais passer ça ici. Même si les points de vie en plus, ce serait pas mal. Non,
Je vais essayer de le passer en armure lourde le plus tôt possible. Alors, du coup... Ça c'est pour échanger comme ça, mais celui il doit rester là. Ah non, je peux le bouger. Non, celui-là je peux pas le bouger. Je peux bouger cela. Mais celui au milieu, je peux pas le bouger. Frapper l'ennemi dans le dos. Donc ça c'est pour l'attaque de dos. Ok, si je veux la booster. Ah oui, améliorer. D'accord. J'ai combien de PC? Ah, PA, pardon. Point d'art. 1000. Ah, bah c'est bien, je vais pouvoir l'augmenter un petit peu ça. Si je l'augmentais. PA requis, 200. Ça passe de 2 à 1. Temps de recharge. Ah, ça se recharge plus vite. Enfin, plus vite, ouais, c'est vite dit. Ouais. 19,4. Ok. PV en 300. Si c'est pareil. Temps de recharge, ok. Réduit l'hostilité de 35%. Ça fait plus de dégâts, ça va plus vite. Et durée de l'effet, il prend une seconde de plus. Ouais, je vais me concentrer d'abord sur l'attaque de dos. Prendre une seconde en plus là-dessus, ça peut être pas mal. Et lui, il n'y en a pas plus que... Ah bah si. Oh là, mais il y a moult... Alors, elles font quoi, toutes ces attaques-là? Hop. Provoque l'ennemi pour attirer son hostilité et en devenir la cible. Ok, donc ça, c'est... Frappe puissante attirant l'hostilité des ennemis aux alentours. Ok. Un coup de poing dévastateur. Utilise quand une aura est active, réduit la force de l'ennemi. L'aura est active. Attaque réduit la force, durée de l'effet 10 secondes. Attire l'hostilité. Utilise son arme comme bouclier et prend une posture défensive. Ça, c'est pas mal ça. Fauchage brutal, un coup porté au pied qui fait chuter l'ennemi. Remplit la jauge spéciale, réduit les dégâts physiques. Coup circulaire qui touche tous les ennemis à portée. Ok. Ça, c'est pas mal. Non, pardon, pas ce que je voulais faire. Améliorer. Temps de recharge, hein, durée de l'effet, ça dure plus longtemps et ça se recharge plus vite. Ça, je trouve ça cool. Ok. Ça, c'est pour faire plus de spécial, en fait. Non, je vais garder pour pouvoir lui augmenter plus vite le reste. Ok. La panne de la montre est plus embêtante que prévu. Il me manque des pièces. J'ai besoin de 3 chaînes bleues. Je m'en fous, j'en ai. Hop. Super, maintenant je peux la réparer. Et voilà, elle est comme neuve. Désiré sera ravi. Faut que je lui ramène.
Vous avez rien oublié? La grotte de Tefra est un endroit dangereux, il faut s'y préparer. Bah viens avec nous! Ah, je peux pas changer de... Non. Pas changer de perso, je pourrais histoire de lui faire parler avec elle peut-être. J'imagine que tu dois y aller si c'est pour la, les forces de défense. Mais attention, Rain, veille bien sur Shulk. T'inquiète pas, tout va bien se passer. T'es vraiment sûr? Laisse-moi en douter. Bah si tu doutes, viens avec nous. Non, donc du coup, je préfère le garder. Hop, la map. Je vais prendre la petite quête là-bas. Vous allez vaincre Rainier, la grimpeuse. Grimpeuse à Ruine Magdal. Et si elle faillit dévorer moi. Presque mouru. Ouais, vas-y, si tu veux. Ça coûte rien d'essayer. Désirée. Alors là, je vais aller voir à quelle heure elle repop. Du coup, on fait ça. Sociogramme. Ici. Touc. Désiré. Disponible de 18h à 6h. Ok. Donc on va aller au magasin. Tu vends quoi toi? Ah oui, c'est là où on va. Est-ce que je l'achète tout de suite avant de partir? Bon. Il n'y a même pas une full armure. Le marchand n'a même pas une full armure lourde. Ah si, c'est quoi ça? Grève prototype. Bon, je reviendrai lui acheter quand il saura les manier. Allez. Du coup, tiens, est-ce que c'est avec lui que je peux papoter? Non. Est-ce que lui me dit quelque chose? Devez pas prendre la grotte de Tefra à la légère. Même les forces de défense ont du mal contre les monstres du coin. Je pensais qu'il allait lui parler du fait qu'il avait porté l'arme et qu'il y avait eu une vision, patati patata, mais... Non, Conini. Allez, à la grotte. Des étuis de transport, non? Du coup, ça. Hein? Pour mettre les étuis des terres. Ah!
戦ってる方が安心だもん。On est d'accord. Ça, c'est la bonne nouvelle. Demandez bien. La jauge de formation est désormais visible. Oh là. Cette jauge indique le niveau de motivation de la formation. La jauge augmente lorsqu'un effet bonus survient ou qu'un coup critique est infligé. Ok. Ranimer les membres de la formation évanouie. Appuyez sur B à proximité d'un membre de la formation évanouie pour le ranimer. Au moins un segment de la jauge de formation doit être rempli pour pouvoir ranimer un personnage. Ok. Lorsque les trois segments de la jauge de formation sont remplis, la formation est liée par une ligne bleue qui indique qu'un enchaînement est possible. Placez le curseur sur l'icône d'art spécial. Utilisez pour sélectionner l'option enchaînement puis confirmer l'icône d'enchaînement. D'accord, ouais. Ok. Vous allez dans la grotte? Oui. Vous pourriez tuer un lapis boisé pour moi. Ils attaquent en groupe et peuvent s'avérer coriaces. Bon, allez, vas-y. Hein. Ah, oui, ok. Il veut qu'on éradique la faune sauvage. Ok. Et le troisième, c'est quoi? Votre niveau actuel est trop bas. D'accord, c'est censé être mon meilleur pote et... D'accord. En temps actuel, on est comme ça, il faut être comme ça. Ok. Mais du coup, normalement, si je fais ça... C'est quoi, ça pourrait me parler des arts. Ah oui, c'est les arts pour elle. Voilà. Dans le sociogramme... Non, c'est pas ça. Quête, heures, compétences, groupe... Non plus... Dans le sociogramme qu'on avait le... Ah oui, il y avait l'histoire des cadeaux aussi. Si je vais offrir un cadeau... Les aubergines vitalité. Les légumes. La mécanique. Ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je lui offre à lui. Bah j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas ce que je cherchais, c'est rien. Du coup... Attaque très rapide qui frappe 4 fois. Attaque montante qui déséquilibre l'ennemi. Ok. Coup acéré infligeant des dégâts normaux et hémorragiques. Attaque tournante à deux lames, plus de dégâts de dos. Coup puissant qui peut hébéter l'ennemi. Temps de recharge 60 secondes. Ouais, ok, effectivement. Elle a combien de points, elle? 459. Le truc de dos, c'était pas mal, ça. Tech. Embêter l'ennemi, ça c'est pratique. Allez, on est bon. Double partie. Petite sauvegarde peut-être. Hop, hop. Sauvegarder. Oula, oui, chargement, tout ça, tout ça.
Les différents types d'ennemis. Le type d'ennemi est indiqué dans la fenêtre de ciblage. Vous pouvez masquer ou non cette information depuis les paramètres d'affichage accessibles à... Ouais. Les animaux normaux n'attaquent pas à moins d'être provoqués. Ouais, c'est les symboles marrons. Les ennemis de type visuel attaquent à vue. Ouais, ça j'avais... D'accord. Comme ça, on rentre, tu prends un niveau. Nouvel art. Qu'est-ce que c'est ton nouvel art? Touk. Ah, c'est celui qui est là. Engagement. Aura qui augmente l'hostilité et attire l'attention des ennemis. Ah, c'est fort bien, ça. Temps de recherche, 85,5. D'accord. Pour un 25. Et c'est une aura. Ok. Par contre, pour les compétences, j'ai pas fait, vu les siennes. Alors, ça, c'est quoi? Trait de base de vie, augmente la force physique, augmente le taux de coup critique, augmente le nombre de PV. En formation, le taux de garde augmente quand les PV sont à moitié. Ouais, donc, elle peut. C'est si elle prend l'aggro. Petite chance de vélocité au début de combat. Actif à 20%, valeur de 30% de vélocité. De... L'expérience gagnée est augmentée. Sont réduits, ok. Vélocité sur la formation après un lien spontané. Donc là, c'est pour qu'on aille plus vite. Ok, donc ça, c'est qu'elle peut poser l'équipement moyen. Taux de contre-attaque augmenté quand les PV sont à demi. Les PV sont largement restaurés après une réanimation. D'accord. Il prévoit qu'elle va passer du temps à terre. Plus de dégâts infligés par les coups critiques, ça c'est bien. La jauge de formation augmente si deux alliés sont évanouis. Ouais. Force augmentée en début de combat. Les dégâts du premier coup de combat augmentent. C'est dangereux pour la prise d'aggro. La vitesse de déplacement augmente. Les dégâts physiques subis diminuent. Ça, c'est top. Je m'en contre un monstre plus fort. J'ai toutes ces caractéristiques qui sont augmentées. Bon, je sais pas trop sur quoi la faire orienter. Tiens. Les points de vie, c'est toujours bien. Après, c'est sûr que plus on aura de bonus, mieux ce sera. J'ai plutôt lui augmenté le taux de garde. Enfin, en même temps, ça lui augmentera aussi un peu son nombre de points de vie au cas où si elle a gros. Ça, ok. J'ai ça qui... Ah oui, c'est que j'ai pas validé la quête avec la nana qui est pop que la nuit. Ah oui, mais c'est elle qui court plus vite, ça c'est moche. Ah, je vais peut-être quand tu es qu'un seul. Ouais, ok. Oh, bah, j'ai même pas vu le B apparaître. Putain, on va demander ce qui se passait. Là, c'est moi qui ai l'aggro. Ok. Par contre, c'est compliqué si c'est elle qui arrive à... J'ai encore oublié d'appuyer sur B.
Ça marche, Modus, merci pour ton lurk. J'espère que ton live s'est bien terminé. J'irai mater la fin de la rediff que j'ai pas vue. Map. On passe comme ça au-dessus ou là comme ça. Ah, puis on voit qu'il y a plusieurs étages en fait. Ah oui, il y a moult étages. Niveau 0. Normalement, il m'aggro pas. Enfin, le gros aussi, du coup. Niveau 10. On est 3. Est-ce qu'il va venir tout seul ou pas? C'est ça la question. Parce que s'il vient avec tous ses potes, ça va être compliqué. Bon, on teste. On va lui donner son petit coup de côté. Boum. Ouf. Ah ouais, il a quand même mangé cher. Hein. La vache, comment il prend cher le tank. C'est un truc de fou. Le tank est par terre. Et on l'a mis qu'à milieu d'HP. On n'a pas le level. On n'a pas le level pour. Là, il met à terre. Ok. Ah ouais, carrément, il a réussi à... Ah mais j'ai pas vu, je suis en train de me demander pourquoi tout se bloquait d'un coup. Là j'ai repris l'aggro. Faut que je quitte l'aggro. Il m'a empoisonné. Ok. Ouf. Effectivement. Effectivement, il est un petit peu stockost. Gardez un œil sur la jauge de formation. Si le meneur de formation s'évanouit pendant un combat mais qu'au moins un segment de la jauge de formation est rempli, le combat continue et vous n'êtes pas renvoyé au dernier repère. Ok. L'importance du niveau de l'équipement. Si vous ne parvenez pas à vaincre un ennemi, vérifiez que son niveau n'est pas trop supérieur au vôtre. Le niveau n'est pas le seul paramètre important. N'oubliez pas d'équiper vos personnages avec de puissantes armes et armures. Ouais, bah ouais. Mais bon, le tank, il a pas d'armure lourde. Ah ouais, du coup, on doit se les refaire. Ah, là, je peux aller là-bas. PC 5. Encore loupé. PA 1. Ok. Il m'en faut 300. Pour qu'il porte des armures de plate. Mmh. Thank you.
5 vocales de batraz. Je ne sais plus par où je suis. Là, rien. Yeah. Statut donne la possibilité de faire ton magie. Ok. Couteau défensif, c'est déjà ce cas-là. Looped. Il se tourne juste au moment où je lui fais les... Trente-sept pierres. Ah ! Tout de suite, c'est un peu mieux. Armure militaire, c'est du moyen. Couteau guerrier, un gantelet artisanal, moyen. Tulipe nocturne. Amande claire. Non, encore une fois. La limite, les gantelets artisanaux, je devrais peut-être plutôt les mettre ici. Faire un tout petit peu de def, mais bon. Mire, elle peut mettre un 7 en pierre hein, aussi, elle fait elle porte du moyen. Ah non, elle peut pas mettre le moyen, d'accord. En fait, elle peut pas mettre tous les moyens. Ah si, casque standard. Non. Armure militaire, c'est du moyen, elle peut le mettre, mais bon.
frontale, c'est pas terrible. Il y a quand même plus. En fait, elle peut pas le mettre parce qu'il est équipé par l'autre, je pense. Si je lui mets ça. Non. Je peux pas le mettre. C'est toujours de l'éther 2 sur les ouais, ok. Plus de PV, ça c'est pas mal. Non, on va laisser ça. Oui, c'était pour elle que je voulais mettre les gantelets. Même ces gantelets légers sont meilleurs en fait. Je sais pas si ça a vraiment une importance entre le léger et le moyen, parce que là, celui-là, il est meilleur. Hein. J'aurais dû lui prendre un 7 en pire rien en fait. Pantalon de la cour, anti-poison. Ça c'est elle qui le porte, ça c'est moi. Et lui il y a le standard. On peut lui mettre ça en fait. Et les bottes renia, c'est du moyen. Ok. En fait, je l'avais pas équipé, lui. Peut-être un loot intéressant, ça. Allez. Encore loupé. Défensif. Ah oui, c'est vrai que j'avais des couteaux à lui faire équiper. Là. Couteau défensif, couteau guerrier, cadre. Moins de def, on s'en fout. Il y a plus de critiques, il y a moins de garde. Ouais. Thank you.
僕はいろいろ調べたりしに来るけど、普通は用ないからね、こんなとこ。まあな、この辺りには寄進兵の部品をまとったモンスターもいるわけだから。これも寄進兵のものなの？多分違うと思う。人が入る通路があるし、これは乗り物だったんじゃないかな。防衛隊のホバー輸送艇みたいなもんか。あれはな、こんな大きいのに。うん、すごい技術だよ。Ah, peut-être que le titan, du coup, c'était qu'une machine. Voyage en un clin d'œil grâce à la téléportation. Retournez au repère que vous avez déjà visité grâce à la téléportation. Pour ce faire, ouvrez la carte de la zone actuelle. Ah, ça va, on peut... C'est pas qu'on peut pas se téléporter que dans une zone, c'est d'une zone à l'autre, ça marche aussi. Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la destination de l'histoire, destination de la quête principale, destination de la quête suivie. Retournez au magasin de la colonie à tout moment. D'accord. Afficher la carte et sélectionner le repère auquel vous souhaitez vous rendre. Pensez à retourner à la colonie lorsque votre inventaire est plein pour vendre quelques objets au magasin. Ça, enfin, je le fasse aussi. Perle grondante, ça c'est nouveau ça par contre. Je sais pas ce que c'est ces trucs qui sont là en haut et qui clignotent au-dessus du dessin. Donc là il me manque vraiment un légume, étonnant. God de Tefran, il me manque plein de choses. Ok. Oula. Ah, c'était ça les squamates. Ok.
Ah mais non, c'est lui qui est par terre. Ok, elle, elle est par terre aussi, super. Ah, j'ai encore zappé le... Ah oui, d'accord, donc là je suis par terre, mais il me ranime pas. Ça pique. Ah, le tank était par terre, c'est pas une bonne idée ça. Je crois que je vais aller lui chercher une armure en pyrène quand même. Parce que là en compétence, on est passé à combien là? Là on est à la moitié. Donc lui ça doit être pareil. Ouais, 154. Avant qu'il puisse porter du lourd. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Pardon. Faire ça comme ça. C'est pas ce que je voulais. Tac. Le marchand. Ah bah la nana elle est là, je vais y aller tout de suite du coup. Touk. Oui j'irai après ta montre. Entente modifiée. Oula. Pulsion d'EF. Elle a changé quoi, elle? Trophée MG, naissant. Short colonial. On s'en fout. Hostilité. Accroît l'hostilité obtenue en attaquant ou soignant. Ça augmente aussi l'hostilité en soignant. Donc c'est pas intéressant de le mettre sur un soigneur. Frelon géant. Mais déjà. Elle crasseuse. Ouais, je dois bien avoir des trucs à donner. Ah d'accord. J'ai rien qui l'intéresse. Ok. Donc si je regarde le sociogramme, peut-être que... Ah oui, donc là je suis 2 étoiles avec la ville. Bon petit-fils, ami gentil. Bon petit. Frustration. Ok. Bon. La quête est faite. C'est le principal. Le machin des gemmes est toujours pas réparé, non pas venu vérifier. Je sais pas ce que ça sera après la quête. Des trucs. Couteau défensif, j'en ai 2. Vas-y. Lance-arme métallique. Pilaire papillon. Pourquoi il y en a 2 différents? Ah, il y en a un qui a qu'un emplacement et l'autre il y en a 2. Ok.
Ok. Puis on peut peut-être le garder. Coiffe coloniale. On s'en fout. Armure militaire, armure militaire. L'armure standard, on vend aussi. J'en ai déjà des lourdes avec les grèves stables. En lourde, j'ai déjà des bottes. Tout ça, on laisse. Peut-être plus de soins avec ça. Force à 20. Donc lui, il faut que je prenne l'homme empyrien. Ouais, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de bleu. Parce que là, il perdrait en physique. Mais il y aura un emplacement, ça, je pourrais mettre plus d'aggro. Ah ouais, c'est ça, en fait. Faut que je lui mette la full armure empire, hein. Ça sert à pas grand chose. Plus d'éther, on s'en fout. Des bottes lourdes, ça j'en ai déjà. On s'en fout. Ouais, on va faire ça. Du coup, hop, on va acheter. C'est pour lui. On va lui acheter ça. Thank you.
prévoir le lourd. Merde. Ouais, moins 8. Et lui, il a quoi? Il a l'armure frontale. Il perdrait 10% de PV par contre, là ce qu'il gagne en def. Mince. Il n'y a rien de spécial, donc je peux lui mettre ça. Les gantelets, allez, hop. Mince, j'ai bien. Oh, que j'ai foutu. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'en avais deux, il y en a une qui est équipée et pas l'autre, c'est ça. Oh, putain, ils auraient pu me le mettre. Hein. Okay. Du coup, je vais acheter les gants. Comme ça, ça sera fait. Re Carzo, ça va bien? Bah écoute, je me suis fait un petit peu retourner. Donc c'est pour ça que là je suis en train de changer un peu les équipements, les machins et tout ci, tout ça. Putain, mais je les avais du coup les gants, pire. Oh, il est très mal foutu leur système d'inventaire. Très très mal foutu.
Du coup, hop, on peut vendre. Et toi, tout se passe bien? Ouais, ouais, mais bon, là, le problème, c'est que j'ai du meilleur stuff, mais il n'y a pas les emplacements, en fait. Donc, c'est... C'est un petit peu embêtant. Ça, je tège. Tu vois, comme là, voilà, je lui ai mis celui-là qui a des bonnes stats, mais... On peut pas comparer. Non. 44,70. Celui-là. Soit... Ouais, tu vois, c'est ça. En fait, là, il y a quand même des meilleures stats que les autres, quoi. Mais bon, il n'y a pas d'emplacement. Il y a une def physique de 10, 3 d'éther. Il y a deux emplacements. Là, le broyeur, il y a une hostilité 3. Il y a 0 de def. Donc, ouais, c'est ça. Bon, après, c'est toi qui passes pour le healer, parce que c'est toi qui as le sort de soin. Mais le tank, c'est celui du milieu. La nana, c'est la DPS. Et voilà, tu vois, si je veux avoir un truc pour pouvoir le sertir avec des emplacements vides, pour lui mettre, je sais pas, moi, du PV pour 100, de l'hostilité, bah du coup, je perds énormément de def. Et puis au soldat, pourquoi? Ah oui, c'est il y a un delta entre les deux qui est... Et le broyeur, il n'y a même pas de garde, en fait, c'est un truc de DPS, ça. Non, on va rester comme ça. Ah oui, ça c'est pas, oui, ça c'est ce que j'avais pour vendre. Parce qu'à la limite, garde bloc. Tu sais, il y a plus de dev du coup. Dev, il y a même 2% de plus. Ouais, bien sûr. Donc si je mets celui-là. X5-3 plus ça, ouais. Ouais, je vais garder celui-là parce qu'il y a de la garde en fait. Il y a de la garde. Et puis il y a un emplacement, et comme ça, dans l'emplacement, je peux aller lui mettre. Augmente la défense physique de 15. Ou les PV de 12%. Allez, on va lui mettre la def. Comme ça, du coup. Ça lui fait passer à 30 en def avec ça. Alors que celui-là. C'était le truc de lumière que j'avais mis, celui-là. Mais il y a moins de garde. Allez, on part comme ça. On part comme ça. Du coup, là, il n'y a plus de quête, on a tout fait. Pourquoi ils me disent que c'est là ma quête ?
Les ruines de Magellan semblent être la carcasse d'un ancien vaisseau. Les cylindres des terres se trouvent dans un hangar du vaisseau. Le groupe se dirige vers le hangar à cylindres. Mais c'était pas accédé tout à l'heure. Demander de passer par la grotte, il me semble. Ah, c'est par là, ouais. Mais c'est dur. Bon, après, je l'ai mis le jeu en mode difficile. Hein. Ah, s'il a pas taunté. Et chaque début de combat, j'arrive pas à... Comment ? À choper en appuyant sur le bouton B le bonus de début de fight. Couteau de poche. Couteau de poche. Couteau guerrier, c'est ce qu'il y a là. Ça fait moins de dégâts, par contre beaucoup plus de critiques. Non, je préfère laisser celui-là. Et tiens, tu sais si on peut les enlever ou une fois que c'est posé les gemmes. Je vais l'enlever, non ? C'était un quoi qu'elle avait ? Un agilité 2. Je peux le retirer ? Non. Tu peux les retirer. D'accord. Bon, certainement à la forge. Sous-menu, ajouter, afficher, effet. Non. Ah non, pas cela. Ok. Ok, mais les autres, du coup. Alors tu vois, les, celui-là. Ah ouais, tu peux les changer. Tu peux les changer, mais tu peux pas les retirer pour rien mettre, par contre. Bah, je vais faire ça, du coup. Et à elle. Je vais mettre force.
afficher, c'est quoi ça? Ah, c'est que, ok. Faire défiler. Bon, et tout à l'heure, je me suis fait défoncer par le mob qui est là-bas. Qui est super balèze. Mais là, ça devrait aller mieux. Allez, on y va, on y retourne. J'ai encore loupé le truc. Il faudrait éviter que ce soit la voleuse qui fonce dessus comme une brutasse, là. Mais non, mais je voulais... Putain. Je voulais balancer un heal sur la voleuse. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas marché. Tu peux pas la tourner, s'il te plaît ? Merci. Voilà. Qu'est-ce que hein? Masse brise, oh, c'est par million. Ouf. Merci. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Encyclopédie. Stabilité. Attaque. Tiens, est-ce que tu sais ce que c'est le machin bleu en haut qui clignote? Comme là, tu vois, sur celui-là... Dans la ville, il manque un légume. Là, autre, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai encore rien trouvé. Ah, dans la colonie 9, il y a ça. Ah oui, ça, je l'ai vu, mais j'avais pas le niveau. Et stabilité attaque, c'est quoi? Augmente les dégâts minimum d'une arme de 12%. Ok. Je crois que c'est juste les marque-pages des zones. Ah ok, d'accord. Pareil, à l'entrée de la grotte, il y a une espèce de gros mob. Je n'ai pas réussi à le buter, il m'a éclaté. Un bruit de neige. Oh. Hangar à cylindre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Et là, j'ai baissé le gain en fait, le grain. Oups, examiner. Tête à tête pas disponible, ok.
Ah, c'est con pour la vidéo si du coup le son est dégueulasse. Tant pis. Bah merde alors. Pourquoi je le sens mal? Je vais baisser un peu mon haut-parleur. Ça change rien. Bon. Oh, c'est du vilain ça. Changer la cible de combat. Passer d'une cible à une autre, ouais, ceci est particulièrement utile lorsque vous affrontez plusieurs ennemis à la fois. Les ordres pendant le combat. Oh putain. Bah modifier les filtres. Je l'ai mis à zéro le gain. Là je suis à zéro au niveau du gain. À l'assaut, la formation se concentre sur attaque sur l'ennemi ciblé. C'est bien là? Bon, j'ai supprimé complètement le gain. Attaquer, bon, chaque membre combat comme il l'entend. Oh, démerdez-vous, ça c'est bien. Les membres arrêtent d'attaquer et se regroupent autour du meneur. Ouais. Ok. J'ai résolu un problème, c'est pas mal. C'est bien parce que j'ai rien touché comment par rapport à la dernière fois en fait. Ils ont été conçus pour protéger cet endroit, ils ont dû être activés en détectant quelque chose. Mais,
リジブロン。そうだね。エーテルスリンダーも手に入れたし。おい、なんだこれ。なのに、ここの音。この音。なんだなんだこれ。Sauvegarder. Nouveau fichier. Donc je disais. Non, j'ai que. Oh, attends, à moins que ce soit ça. Non, on me dit pas que ce serait ça qui vient depuis tout à l'heure. Normalement, tu devrais plus l'entendre. Toujours pas. Je suppose que si je saute dans le vide, là je peux pas tomber dans la flotte. Ce serait un trop raccourci. Bon, on va y aller en se faisant un TP peut-être. Que me dit la quête? Alors que tout le monde pensait que les mégons ont des débris, que les amis doivent retourner au plus vite. Ok. Bah allez. Ah. Ok, faut que je... j'y retourne à pince. Par contre,
Je ne sais plus comment je fais pour dézoomer. Non, c'est pas ça. Je trouvais qu'en combat j'étais proche quand même. Bon, faut faire le chemin à pied. On va quand même ramasser tout ça. Hop. Ce sera pour compléter le codex. Pas s'en aller le gros là. Grosse scène à venir. Je suis à combien? 2 heures de stream. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Je me referais bien le gars là-bas, là, de tout à l'heure. Ça fait du pec ça quand même. Grève stable. Ah bah c'est les lourdes que j'avais récupérées déjà. Faut que je le rachète sur Switch. Ça y est, on pourra m'appeler Kane l'influenceur. Ouais, je peux pas y aller par là en fait. Non, je peux pas y aller. Vas-y, quitte tout ça. D'accord, ah ouais, non, franchement, ouais. J'avoue que je le trouve propre également. Ah, j'ai encore oublié. Chaque fois que je lance le combat, j'oublie qu'il y a la phase où il faut appuyer sur B. J'ai appuyé trop tôt. Mansard métallique. Ah, j'ai encore envie d'appuyer sur B.
Il est là, le méga boss que j'ai pas su battre tout à l'heure. Au milieu des larves. On peut réessayer, Marc. Maintenant que j'ai un tank qui est un peu stuffé. Putain, c'est qui est gros, c'est terrible ça. Merde, je cours. C'est chaud, je trouve, d'appuyer sur B comme ça en plein combat. Utilisation des arcs pendant un enchaînement. Lors d'un enchaînement, vous pouvez sélectionner des arcs parmi ces trois membres de formation. Même les arcs en phase de recharge sont disponibles au moment de l'enchaînement. Comment infliger des dommages importants dans un enchaînement? Si vous sélectionnez simplement des arcs de la même couleur pendant un enchaînement, le niveau de dégâts ou de récupération sera élevé. Adaptez le type d'enchaînement au déroulement du combat. Les arts spéciaux peuvent être combinés à n'importe quelle couleur. Allez essayer de varier les enchaînements. Putain, juste, j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre tellement de choses en place que... Activer le maillon... C'est lui, activer le maillon bonus pour faire un enchaînement. Un maillon bonus peut éventuellement apparaître une fois que le troisième membre de la formation a utilisé son art. Appuyez sur B au bon moment pour qu'un des membres puisse utiliser à nouveau un art. Améliorez vos relations pour activer plus facilement les maillons bonus. Plus le niveau d'entente entre les membres de formation est élevé, plus le maillon bonus se déclenche facilement. Une fois le quatrième maillon utilisé, il est possible qu'un autre maillon bonus se déclenche jusqu'à 15 fois. Jusqu'à 15 fois. Ok, bon, du coup... Ah oui, il faut que je choisisse des trucs de la même couleur, déjà. Alors, du coup, là, il y a un enchaînement. Donc moi, je vais dire, je choisis un sort. Je peux pas? Ou alors, il faut que je choisisse... Ah non, il faut que je choisisse comme ça. Tac. Donc là, ça, tac, elle, tac, non, lui, plutôt, voilà, et elle, sa triple attaque. Et après, j'ai une chance que ça appuie sur B. Dégâts d'enchaînement, 2155. Ok, là, je suis revenu sur lui. Là, j'ai loupé mon appuyage sur B parce que je l'ai pas vu venir tout de suite. Ok. Ouais, je suis sûr qu'elle fait. Ok. Venin, nananana. Oh ouais, ça a été. Pinard Arachni. 6 de garde. Oh, il est mieux encore celui-là. Je vais l'équiper tout de suite, je pense. Je vais l'équiper tout de suite. Touk. Touk, touk. Touk, touk. Il est équipé de quoi, lui? Le bloc. Ah, mais une fois que tu connais tes persos et que tu apprends leur capacité, c'est un régal. Ouais, j'imagine. Ouais. Bon, puis à mon avis, vu le nombre de combats que tu fais, t'as un petit peu le temps de t'y mettre, quoi. Donc, je lui mets celui-là. Et quoi comme tranche? Oh, punaise. Ah ouais. Belle bête. Et là, moi, je veux du PV pour le monsieur. Et pulsion d'F. Ça me paraît bien. J'avais pas autre chose que ça. C'est mieux.
Vas-y, les terres, on s'en fout en fait. Non, non, je peux pas te mettre ça, tu ressembles à rien. Non, je veux bien, mais non, 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 c'est pas possible ça. Ça fait repop le petit mob de quête. Ah, où est-ce qu'il est? Ah, il était devant. Donne-moi le sang du machin, j'ai besoin pour ma quête. Non. Il ne veut pas. Oui, non, c'est vrai, j'ai pas la bonne amitié entre les deux. Sur 300. Lui peut presque porter les armures lourdes du coup. Ce serait peut-être bien que je puisse porter des armures plates avant de... Enfin, d'armures lourdes. C'est qu'ici ils donnent plus rien les popcorn XP. Restons de niveau, restons.
Eh, pas le marchand. Hein. Ouais, falloir, on n'a plus le DPS quoi. Les gars. Avec leurs armures de Power Ranger. Faire chuter un Mekon avant de l'attaquer. Tous les membres de la formation peuvent infliger des dégâts à un Mekon qui a chuté. Déséquilibrer, puis faire chuter le Mekon. Art de déséquilibre. Déséquilibre. Et par les fans. Art de shit. Aidé par les fans. Ouais. Utiliser le coup retourné pour déséquilibrer le Mekon. Avec Shulk en tant que meneur. Rien se chargera ensuite. Coup retourné. Ah bah ça, j'ai déjà remarqué, on l'avait déjà fait. Utiliser le fauchage brutal pour faire chuter un Mekon. Avec Rain en tant que meneur. Pourquoi échec? Alors tu fais chuter ou quoi? Ça vous a rien à faire les dégâts. Il voulait pas que ça se chuter. Voilà. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je crois qu'il avait déjà fait son skill avant. Oh, il est plus là, je suis sûr. Mais il est parti chercher l'épée. La fuite peut être une bonne stratégie. Si vous souhaitez fuir un combat, placez le curseur sur l'icône d'art. Hein. Sélectionnez l'icône fuite. Appuyez sur A pour interrompre le combat et fuir l'ennemi. Et celui-là, il y a quel niveau ? Ah ouais, carrément, on fait que un dégât. Ah oui. Bon, jamais tu fais tomber. Ouais, c'est en gros, on doit l'utiliser. En fait, ils veulent qu'on utilise de la fuite. Quoi. Ok.
drôle. Ah ben y a plus moustache pointue. Évidemment, il a mis devant la porte du labo. Hein. Si on pouvait TP, mais non, je pense pas. Enfin, ça fait pas qu'il va. この町は、俺たちホムスは、1年前の戦いでダンバンたちに守ってもらったようなもんだ。今度は俺たちが守る番だぜ。そういうこと。シルク、何？そんな顔するなって、こんな奴ら俺がちゃちゃっと片付ける。シルクに怪我もさせねえ。信じる。行くんだ、フィオル。今度は信用されたな、俺みたいだね。まあ、そうしやろうね、これ。まあ、apparemment non。 C'est-à-dire qu'on peut les frapper?Bon, on a dit comme ça on va tous se focus lui, voilà, moi je fais ça. Trop tôt. Miracle, il a shooté.
essayer de le recharger. Ah mais il le fait pas quoi. Je sais pas quand est-ce qu'il doit le faire en fait. J'espère qu'on a les mêmes CD. Un peu pratique quand même, quand même. Ouais, j'avoue, grosse zik. Ça va, il utilise de l'autre main. Ah ouais, carrément, le William Dubois, il est là. Ok, bon, voilà, tiens, boum. Bon, nous on sert à rien, hein, puisqu'il n'y a que le Bruinos là qui peut les tuer. Mais oui, tire sur le gros, tire sur la grosse pierre avec. Non ? Allez-y, vous pouvez passer par-dessus, sérieux, bande de boulets.
Ah non, ça marche, je peux leur faire des dégâts. Cool. Cylindre de terre, cylindre de feu. C'est quoi ça? Tension initiale, stabilité de l'attaque. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Avec tout ça, du coup, compétences. Pas encore. Un petit dernier. Voilà, comme ça, donc normalement. Oups. Ah non, c'est les PC, pas les PA. Comme ça, en fait, le tank pour apporter des armures lourdes. Je pense que ça pourrait être un petit peu utile. Soins sont augmentés.
Rend des PV à un allié encouragé. Prépare un lien d'engagement. Bonus de tension. Pardon, c'est pas ça. C'est surtout. Voilà, comme ça, lui, il peut porter de l'équipement lourd. La provocation furieuse attire plus l'hostilité. La petite augmentation du PV, ça peut être pas mal aussi quand même. Hein. Ok, donc du coup, comme ça, hop, on peut changer le stuff de Boy George par le Homme Prototype. Dev d'éther, il y en a moins, mais bon, il n'y a plus de dev physique. Enfin, la lourde, elle protège moins, quoi, c'est quand même fou. Hein. C'est les mêmes. Hein. Il y a un anti-chute. Pas le virer un style. T'es obligé d'en mettre un du coup après. Faire pivoter sous le menu. Ou est-ce que c'est lié aux grèves? Ah ouais, du coup ça change plus. Du coup, on va lui péter juste pour le plaisir. Yeah.
これは。なんということだ、まさかシルクがモナド。今のは来るぞシルク。ライン、ライン、ダンバーさん、背中は任せとけ。シルク、体は何ともないのか。ええ、それよりさっきから変なんです。先のことが、少し先の未来が目の前に見えるような。これもモナドの力なんですか？未来が見えるだって、そんなバカな。本当なのかシュウ君。はい。Même bien en plein milieu du fight, ils prennent 5 minutes pour discuter. モナドの隠された力、もしかしたらそれが。今は何も考えるな。モナドが見せたものを信じて戦え。La révélation, bah oui. Utilisation des armes de Monado. Shulk a désormais accès à l'art spécial activation de Monado. Sélectionnez l'activation de Monado pour passer des armes normaux aux armes Monado. Ouais. Utilisation des armes Monado contre les mécons. Les armes Monado. Putain, mais il y a 12 000 milliards de trucs, de bidules, de machins. Les armes Monado sont particulièrement efficaces contre les mécons. Choisissez judicieusement vos armes parmi les armes Monado et les armes Monado pour gagner le combat. Renforce les combattants, inflige d'importants dégâts à l'ennemi. Ok. Ça va, les signes se ressemblent pas en plus. Donc les dégâts, c'est par là. Ok. Vas-y, avance. Moi, je vais faire des dégâts. Échec. Ah, mais je l'ai pas vu venir le B. On a un donné. Merde, je l'ai pris en face. Bon. Nouveau tutoriel. Shulk 2. Par exemple, on a. Ah, d'accord, ok. On serait bien fait le gros là. Ah non, pas lui. Let's play.
caleçon de natation. Merde, j'ai pas pris le... Ah oui, tu peux plus les prendre, les trucs, quand t'en combat. Ah oui, d'accord, j'ai plus l'ancien air classique, ok. J'allais dire, je suis un dégueu contre lui. La nana va arriver derrière, boum, avec son truc mobile. Et évidemment, en plus de savoir faire la cuisine, elle sait conduire les trucs mobiles méga bourrin. Si on peut pas notre DPS, on va peut-être l'activer. Yeah.
percuter le fascia noir. Monado n'a aucun effet sur un mécone doté d'un visage. Déséquilibrez, puis faites-les chuter afin de pouvoir leur infliger des dégâts. La tristesse là. Si elle est morte, ça va chier. Déséquilibrez l'ennemi grâce à l'enchaînement. Il est difficile de déséquilibrer des ennemis de grande taille. Toutefois, en ayant recours à un enchaînement, vous pouvez presque être à l'aise d'y parvenir. Je sais même plus comment on fait pour qu'on puisse avoir l'enchaînement. Ah bah il est déjà... Ok. Allez, du rouge. Ah non, j'aurais dû faire tomber. J'ai été con là. En fait. Bah oui. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'aurais dû utiliser mon enchaînement comme tout à l'heure pour les faire tomber. Mais pas... GG. Ah, heureusement qu'on est dans le tuto. Moi je fais ça. Boum. Toi tu fais ça. Boum. Qu'est-ce que c'est pour tous les autres, tu veux. Enchaînement 2017. Et maintenant, boum. 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 Ah. Ok. Bon, mais sa pote, elle est pas morte, elle est blessée seulement. Remodus. Oh, la tristesse du truc, quoi. Ils ont tout cassé. Bah ça va, le tuto il a duré 5 heures. Bon après j'ai fait quasi toutes les quêtes. Bon allez, vas-y, elle est que blessée. Bon, puis il faut que je leur change leurs armures, j'aime pas leurs armures de Kikoul. Yo. Un bon gros tuto, ouais. そういう人だもんな、ダンバンは。うん。
シュルクか。体なんともないか。はい、僕は大丈夫です。それより俺は泣くつもりはない。え、1年前俺は今日から2回の深い喪失感を味わった。体験の警告での決戦ですね。あの戦いでたくさんの仲間たちが帰らなかった。動けない体でここへ運ばれてくるまでの間、あいつらのことばかり考えてたよ。だが泣かないと決めた。あの決戦で死んでいった彼らには守りたいものがあったんだ。家族や恋人や故郷、それらを守って戦ったんだ。Elle est sans qu'elle est vraiment morte, la gamine. 勝利した。どんなに辛くても悔しくても悲しむことはない。そう思うことにしたのさ。ダンバンさん、シュルク、フィオルンは後悔していないはずだ。あ、メニーグリステルDPS か。いや、お前を守りたかったんだ。そして、お前は生きている。だから、はい、フィオルンがくれた命、そう思って大切に生きていてくれ。頼む。まだ分かったとは言えません。でも分かりたいと思います。それでいい。俺もずっと分かろうとしている途中だ。フィオルンがくれた命を大切に。やっぱりあの人は強いな。僕は決めたよ。え、命の使い道。顔のついた鬼神兵を追う。シュルク、あいつらがこのコロニーを焼いて、フィオルンを僕は必ず見つけ出す。見つけ出して必ず倒す、あいつらを。笑うとこ悪い。おかしくってさ、まさか先に言われると思ってなかったぜ。ライモン、ああ、同じこと言おうと思ってたんだ。意外だよ。え、猫じゃ、シュエル・ジュディアック。命を大切に使うって、そういうことじゃないとか。そうそう、そんな感じ。絶対そう来ると思ってた。頭の中に、二人の僕がいるんだ。一人はそう言ってる。ダンバンさんの言葉をちゃんと聞けって。もう一人は？あいつらを許すな。あいつらをやっつけろ。Moi, je serais plus partant de la deuxième petite voix. C'est rigolo ça. Bah partez pas tout de suite, il y a une quête qui est pas finie en fait.
Qu'est-ce qu'on va encore apprendre ? C'est là où ils ont trouvé Monado. Ok. Et je pense que Blondinet, ça devait être le perso principal. あの黒いやつを追うのはいいけど何か手がかりはないかなまずはコロニー6へ行ってみねえかコロニー6かここ以外に唯一残っているホムスのコロニーだねあそこは奴らの拠点があるって噂の大剣の渓谷とここコロニー9の間にある大剣の渓谷から奴らが来てるってのならコロニー6の人たちが何か見てるかもしれないぜそうかコロニー6なら黒い顔つきに関しての手がかりが得られるかもしれないマグメルドの遺跡を抜けてテフラ洞窟を登れば巨神の膝に出るはずだああ膝に出ればコロニー6まではすぐだろそうだね行こうかコロニー6へVous pouvez désormais créer des gemmes. Vous pouvez créer des gemmes des terres grâce au fourneau de la colonie 9. Allez parler à l'homme aux gemmes dans le quartier marchand. Ok. Bon, mais j'ai quand même fait une bonne partie de la zone. Là-bas, j'y suis pas allé dans ce coin-là. Je vais aller dans ce coin-là. Là, il y a de la... Oh là, mais il y a de la quête, là, ici. Il y a de la quête. Je vais prendre les quêtes. Et j'arrêterai là. Travailler plus, je suis lancé, j'ai pris le rythme, pas question de ralentir. Un curry pour vous ou 5 ? Quoi ? Raisonner Giorlo, vous voulez demander conseil à sa famille. Giorlo tombait d'épuisement après avoir trop travaillé pour subvenir aux besoins de sa fille. On peut chez elle, c'est vrai. Ok.
Lui, il lui faut du lait d'Arma frais. On va aller en chercher. Enfin, on ira en chercher. Quête suivante, elle est où? Et 5 hortensia hob. Oh yeah. Hop, aussi fait, aussi pris, aussi fait. Enchantement, ça fait quoi? Durée de l'effet. Dégâts additionnels. Oh ouais, c'est pas mal. Oui, pareil, ça fait énormément plus de dégâts. En taille aérienne. Hein, c'est nouveau ça. Déséquilibre l'ennemi. Et s'il est frappé de flanc, le ralentit. Tu vois aussi t'as le déséquilibre. Hein. Ok. Seul pour le cap Azai. Je reconnais que c'est gênant. C'est un sacré problème. Tout ça est la faute de Moritz. Il lui a dit d'aller chercher une carapace de Bernie et Bernie ne font qu'une bouchée des petits nopons. Allez chercher Niro Niro qui est parti pour le cap Azai. Capazai, c'est là-bas. Là, il n'y a plus de quête, il n'y a plus de quête. Bon, ça me paraît bien. Là, je pense que ça va être ces deux-là. Ah non, il n'est pas encore disponible. Pourtant, il est tout au début. Ok. Je sauvegarde ici et je regarderai comment créer des gemmes la prochaine fois. On aura quand même bien avancé. Ça va. C'est quoi dans le tuto? Qu'est-ce qu'ils nous ont encore mis de nouveau? Appâter l'ennemi. Appâter un ennemi dans un endroit où il n'y a pas d'autres ennemis. Ah, c'est ça cette icône de jump là. Prenez garde aux ennemis d'Arsta Grégaire.
Si on a un ennemi guerrier à proximité d'un ou plusieurs ennemis de la même espèce, ces derniers se joindront au combat. Attirer dans un. Attirer un groupe pour aller individuellement. D'accord. Prenez garde au niveau des ennemis. Rouge très élevé, élevé, moyen, bleu. Bah, nul. La couleur de la fenêtre de ciblage indique le niveau de danger d'un ennemi. Plus un ennemi est dangereux, plus il est difficile de l'atteindre et d'esquiver ses attaques. Ouais, enfin, j'ai remarqué, il y avait un oiseau, la nuit, il y a un oiseau là sur les batteries d'armes là, de level 16. Un gros balèze. Et non, pas pour maintenant. Sauvegarder. Voilà. Bon, bah du coup, je vais arrêter là. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier tous les deux. Mais j'avoue, j'aime assez. Il y a parfois quelques petites longueurs dans les quêtes et tout ça. Enfin bon, des quêtes de bâche, ça va, c'est pas... Ils nous demandent pas de tuer 300 mobs. Un ou deux, trois, bon, ça va, ça passe quoi. Ça passe. Bon, du coup, on est quand là? On est dimanche, lundi, mardi, je suis pas là. Ouais, peut-être mercredi soir, je pense. Mercredi soir, genre... Parce qu'il y avait Carzo, pas pour le stream. MDR. Bon, du coup, allez. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon courage. Tu bosses demain, Modus? Oh bah nice. Nice. Du coup, demain, repos pour tout le monde. Moi, demain, ce sera du stream de Figouze. Certainement l'après-midi, parce que demain matin, je vais glandouiller, je pense. Mais si je focus la caisse principale, ouais. Je vais voir les petites caisses annexes. Quêtes annexes, ça peut être utile pour monter les réputations. Total Gland, parfait, parfait. Parfait, Karzomir. Donc le matin, on passe chez toi. Ah, comme d'hab, le thermos. Le thermos de café. Bon, ça roule. Bon, allez. Bonne nuit, merci encore d'être passé, et puis je vous dis à demain du coup. Allez, ciao ciao, des bisous.